toutes et tous, on se retrouve pour le message ou la guidance, c'est comme vous le désirez, de ce mercredi 24 janvier 2024 et pas 2023. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Avant de commencer, merci. Merci, merci mes anges de me rappeler votre présence. Merci, merci, merci mes anges de me révéler ce que j'ai besoin de savoir présentement. Eh bien aujourd'hui, j'ai pigé gratitude. Waouh, gratitude, remercier avec toute notre gratitude. C'est quoi la gratitude? C'est la reconnaissance, n'est-ce pas, pour aller pour un service ou pour un bienfait que nous avons reçu. C'est un sentiment vraiment très affectueux envers quelqu'un qui nous a fait du bien. C'est manifester sa gratitude, n'est-ce pas? Et la gratitude, c'est, eh bien, c'est savoir être reconnaissant, apprécier ce qui n'est pas matériel. Et c'est d'admettre que les autres jouent un rôle aussi, eh bien, dans notre bien-être émotionnel. Alors, c'est aussi un sentiment profondément lié à la santé mentale, à la qualité de vie, à l'optimisme, à l'estime de soi, à un bonheur durable. Remercier avec gratitude, c'est très profond, c'est amour avec un grand A, c'est le sentiment, amour, on apprécie, on est reconnaissant. Voilà, ça c'est la gratitude, et puis bon ben, gratitude, c'est célébrer, n'est-ce pas, évidemment. On célèbre. Qu'est-ce qu'on célèbre? Ben, en faisant preuve de gratitude, vous célébrez la vie et élevez votre énergie. Vous focalisez votre attention sur, eh bien, les cadeaux envoyés par l'univers et rendez grâce à la vie. C'est se reconnecter avec notre partie divine, reliée au, vous savez, au grand tout, comme on dit. Vous retrouvez le chemin de la confiance en la vie et en ce qui vous guide. Alors, l'esprit pensant ou l'ego veut aller vite dès maintenant et il est rarement satisfait de ce qu'il a parce qu'il va trop vite. L'ego, c'est l'ego hein, qui parle là. Et en rendant grâce à la vie, en ressentant cette vibration de gratitude, eh bien, vous dites oui. Oui à cette magie dans votre vie. Vous célébrez le fait d'être vivant. Alors, petite question. Pour quel événement rendez-vous grâce aujourd'hui? Pour quel événement rendez-vous grâce aujourd'hui? Êtes-vous en bonne santé? Avez-vous un toit ou dormir ce soir? Est-ce que vous avez un proche que vous aimez? Est-ce que vous avez contribué au bien-être d'une personne aujourd'hui? Est-ce que vous avez mangé à votre faim aujourd'hui? Eh bien, écoutez, moi, je remercie avec gratitude que j'ai un toit. Je remercie avec gratitude que j'ai la nourriture qu'il me faut pour me nourrir.
je remercie avec gratitude que je peux m'éclairer, que j'ai du chauffage. Je remercie avec gratitude le travail que les anges accomplissent à ma demande. Vous voyez, il y a mille et une façons de remercier avec gratitude. Revenez à ce qui est essentiel et offrez-vous une pause où vous rendrez grâce à la vie. Vous vous reconnectez ainsi à cette magnifique énergie. C'est une énergie qui est beaucoup plus lumineuse. Et comme mantra aujourd'hui, vous allez dire, je peux rendre grâce à la vie. Je peux rendre grâce à la vie. Je peux rendre grâce à la vie. Magnifique, magnifique message. Waouh, magnifique la gratitude, n'est-ce pas? C'est quelque chose qui est, pour moi, qui est fondamental. Le remerciement. Voilà. Mais voilà. Oui, ça me touche. Parce que lorsque je fais des demandes, ou lorsque je remercie, c'est toujours avec beaucoup de gratitude. Nous terminons avec le secret au quotidien de ce mercredi 24 janvier. Si un ami traverse des moments difficiles, aidez-le en veillant à conserver votre joie intacte. Vos bons sentiments lui remonteront le moral. Vous pouvez également l'aider en le faisant parler de ce qu'il souhaite. Et s'il se laisse aller à parler de ce qu'il ne veut pas, réorienter gentiment la conversation vers ce qu'il désire. Vous pouvez également vous adresser à lui comme si ce mauvais moment était passé et lui suggérer d'imaginer que tout ça est maintenant derrière lui et c'est magnifiquement bien terminé. Soyez le chef orchestre lorsque vous parlez avec lui et aidez-le. Aidez-le à rester en harmonie avec l'univers. Voilà le message, le secret au quotidien. Je vous souhaite une excellente journée et puis on se retrouve demain pour un nouveau message. Et d'ici là, prenez soin de vous, de ceux que vous aimez, de ceux qui vous entourent. Et puis moi, je vous embrasse et à demain.